Dans le chapitre ça, nous prenons apprendre nos gens pour bien gérer l'interface CorelDRAW. Nous prenons l'étudier ensemble. Dans le son ça, nous prenons le ensemble. Qui j'en capable faire pour nous installer CorelDRAW sous machine que ou même ou pral utiliser. Alors juste avant mes salles CorelDRAW, il y a un petit bail qui simple comme dans mon connaît. Pas courir derrière version CorelDRAW. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire tout ça me faire avec CorelDRAW 10, me faire la 11 en tout. Si me faire la 11 ans, me faire la 12 en tout. Si me faire la 12, me faire la 13. Si me faire la 13, me faire la 14, 15, 16, 17. Ça veut dire c'est presque même bagaille que utilisé. Tout ça m'a fait à yon m'a fait avec l'autre. Sauf que, version qui pigou ou nègle, capable gagner yon ou bien deux outils que ajouté, mais en réalité, travail ou ka travail normalement avec n'importe version CorelDRAW ou ka fait n'importe gros bagaille avec n'importe version CorelDRAW. Donc, de grâce, pas courir des versions CorelDRAW. On allez. Préparer que n'a pas assuré, c'est est-ce que ou même ou gagne CD installation CorelDRAW. Si vous n'avez pas gagné, descendez rapidement dans la compagnie BrainQ. Jeune avec un responsable, dit que vous venez acheter un CD. Installation programme CorelDRAW. Qui n'a pas coûté un pile comme. Dit tout. Pour ne pas dire qu'il n'a pas coûté rien dit tout. Et puis, il y a 20 ans, un programme installation CorelDRAW. Nous imaginons que vous allez dans la compagnie ou acheter un CD CorelDRAW. Ou acheter c'est des programmes CorelDRAW et puis ou fourrer dans ordinateur et l'offre CD dans ordinateur automatiquement qu'on intègre dans ordinateur ou tant quelques secondes mais ça qu'apparaît devant yo ou bien ça qu'apparaît et puis automatiquement que ça fin paraît devant yo ou font titan puisque le do please wait qui signifie s'il vous plaît font titan et puis automatiquement là installation a commencé. Donc, là, je suis bon CD CorelDRAW, donc on va y BrainQ, c'est comme ça, installation commencé. Ou bien, si pas mal, ou te gen un CD CorelDRAW déjà, et puis ou fourre, li pas tombé là pour compte li, à ce moment-là, qui sont qu'à faire, faut ou aller faire double clic sur My Computer, ou faire un clic droit sur CDA, et puis ou cliquer sur Open, l'offre cliquer sur Open, qu'on y a là, li ouvert tout fichier comme dans CD à bas ou et puis ou aller directement côté gain fichier setup là menu ou fait double clic sur lui et automatiquement fait double clic sur lui ou presque tombe même côté à taler ou juste font titan puisque le dos s'il vous plaît font titan et vous tombez là maintenant on fin tomber là qu'on y a là ça que passe machine en dos pour installer quoi juste machine ou mais ça pour gain. Faut qu'on gagne soit Windows 2000, soit Windows SP4, soit Windows XP, ou bien Windows XP SP2, ou bien Windows Server 2003, etc., etc. Faut qu'on gagne PPT en Pentium 3, 600 MHz, ou bien plus que ça. Faut qu'on gagne PPT 256 MB comme mémoire RAM sur ordinateur, et puis faut résolution au moins 1024x768. Ça, c'est ça qu'on CorelDRAW exige pour gagner pour installer sous machine. Ça y a un titre d'information que vous avez, ou gagne deux choix, soit fait continue. Ou bien cliquer sur cancel, moi do carrément râler sur vous, cliquer sur continue. Le plus cliquer sur continue, ça, il y a le license agreement, il marqué là. Ça, il y a le license agreement. Autrement dit, loi, pile loi, monde qui fait le logiciel là, il crée, il doit mettre loi parmi eux. Et loi ça, l'offre une l'île, si vous voulez, ou pas bien pour cliquer côté marqué, petit cas ça, côté qui signifie I accept, là, qui veut dire moins accepter loi ça. Et ou pas, il doit pas accepter parce que, vous marquez bien, si je ne clique pas sur Kazan, Next ça a beaucoup de jambes activées. Je clique sur Kazan et puis je clique sur Next. Là, je vais intégrer un username, un nom utilisateur, j'en voulais. Pour intégrer un nom organisation, souvelé. Mais là, par une question de souvelé, il faut obliger quand même intégrer serial number, ça les codes logiciels là. Tout CD que compagnie BrainQ dit vend nous, il vend nous à tout code là. Donc là, c'est taper code, compagnie BrainQ, Tebaoua. Voilà. 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 Voilà.
Epi, code ça, il dans toutes ces deux compagnies BenQ, il va nous. L'offre de code, ou pas gagner l'autre barre au café encore, ou cliquer sur Next. Donc, cliquez sur Next. Corel Duo, mais ça va quand installer dans Corel Duo. Soit m'installer ça, ou bien si m'pas voulu installer, m'ka cliquer pour me checker, m'cliquer pour me checker. Ça va dépendre de ou même. M'cliquez sur Next. Lorsque vous cliquez sur Next, ça aussi s'ouvre ou checker, dernier barre ou cliquez sur Install. Et lorsque vous cliquez sur Install, là, Corel Duo commence à installer pour compte lui. Et lorsque vous installez pour compte lui, on peut utiliser le logiciel là, entrer dans le logiciel là à l'aise, faire sauver, continuer avec DVD, programmation noire. Allez, sur machine pour là. Ici, installer Corel Duo sur machine noire, et puis après ça, ou à dire nous, qui feeling que vous te joignez.